Bonsoir à tous, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire. Je viens à vous ce jour pour vous lancer un appel. Vous avez appris que demain, samedi 10 octobre, l'opposition ivoirienne organise un grand meeting au stade Félix-Houphouët-Boigny. J'interviens pour ajouter ma modeste voix à celle des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui pensent que la situation est suffisamment préoccupante pour que nous, Ivoiriens, nous, habitants de ce pays, nous nous levions comme un seul homme pour dire non à la forfaiture qui est en train de se commettre. Vous êtes tous témoins de ce qui se passe ces dernières années. Notre pays est méconnaissable. Après la grande crise post-électorale, avec son cortège de décès, de désolation, nous avions pensé que les uns et les autres avaient tiré les enseignements de ce passé récent. Hélas, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que tout ce sang versé les années passées n'ont pas instruit certains Ivoiriens. Tous ces deuils que nous continuons de pleurer, de porter, n'ont pas assagi certains Ivoiriens. C'est pourquoi, demain, je vous appelle à vous mobiliser et à prendre part à ce meeting qu'organise l'opposition ivoirienne pour dire non à un troisième mandat du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous disons non parce que la constitution ivoirienne ne lui permet pas de faire ce troisième mandat. Il a dit lui-même. Son ministre de la Justice l'a dit. Les experts qu'il a commis pour faire cette constitution ont rassuré les Ivoiriens pour dire que même si le président Ouattara avait l'intention de faire un troisième mandat, cette constitution l'en empêchait. De surcroît, vous êtes également témoin qu'il y a quelques semaines, le président de la République, devant le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres de notre Parlement réunies, il a dit la main sur le cœur qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat. En le disant, il savait pertinemment que la Constitution ivoirienne ne lui permettait pas de faire ce troisième mandat. Malheureusement, et contre toute attente, M. Ouattara fait volte-face et décide, contre vents et marées, de briguer un troisième mandat. Pire, il taille la commission électorale indépendante à sa mesure. Au moment où nous vous parlons, la commission centrale de cette commission regorge les représentants du RHDP. 100% des commissions locales censées équilibrer la représentation nationale, la représentation des candidats, eh bien, ces commissions-là sont à 100% sous le contrôle du RHDP. Comment, dans ces conditions, pensez-vous que nous puissions aller à des élections crédibles, apaisées, pour que le résultat qui sortira des urnes soit incontestable? Assurément, nous préparons le terrain pour un conflit post-électoral qui
naturellement, risque d'être plus violent et donc plus meurtrier que celui de 2010. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre tous les 5 ans, tous les 10 ans, des épisodes de ce que nous avons vécu en 2010-2011? Est-ce une fatalité pour nous de marcher sur les lois que nous nous sommes données nous-mêmes? Est-ce une fatalité que de conduire notre pays comme un pays quelconque? D'aucuns diraient une nation bananière, une nation dans laquelle les dirigeants eux-mêmes n'ont aucun égard pour les lois qui se sont données librement. C'est pourquoi demain, aucun Ivoirien soucieux de l'avenir de ce pays ne doit demeurer en reste. Nous allons manifester, nous allons dire par notre présence, les mains nues, le verbe mesuré, nous allons dire simplement au président Ouattara que ce mandat est de trop parce qu'il est anticonstitutionnel. C'est une violation de notre loi fondamentale. Or, le président Ouattara, en tant que président de la République, est le garant de cette constitution ainsi que de toutes les lois de la République. C'est lui qui doit la protéger. Si lui qui doit protéger cette loi se met à la violer, il y a lieu de désespérer. Les conséquences d'un tel acte sont énormes. Ça relègue notre pays au rang de pays voyous, au rang de pays qui ne respectent pas ses propres lois. Si nous-mêmes, nous ne respectons pas nos lois, qui pensez-vous de l'extérieur les respectera à notre place? Pensez-vous que les citoyens des autres États nous prendront au sérieux? Assurément non. C'est pourquoi nous devons dire non. Un être humain, quand il n'est pas d'accord, il dit non. Se taire, c'est se faire complice de ce qui se passe. Ne rien dire, c'est donner une caution à la violation de notre constitution. Et après, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer. C'est pourquoi, chers amis, chers parents, chers concitoyens, chers amis de la Côte d'Ivoire, dites non à M. Ouattara. Dites non à ce troisième mandat. Et dites-lui humblement de s'asseoir à une table de négociation avec ses opposants pour créer les bases de vivre ensemble, pour créer les bases d'une cohésion nationale dont nous avons besoin après toutes ces années de souffrance. Il est temps d'aller dans le sens de la radicalisation. Il est temps d'arrêter ce cycle infernal de violence qui retarde notre pays et qui divise la nation. Dites à M. Ouattara que cela ne nous coûte rien de s'asseoir et de se mettre d'accord avec ses concitoyens sur la manière de conduire les affaires de l'État. L'État n'appartient à personne en particulier. L'État de Côte d'Ivoire appartient à tous. Il n'est pas normal qu'un seul, fût-il
le dirigeant momentané de ce pays s'arroge le droit de faire ce qu'il veut au mépris des règles que nous nous sommes données. C'est pourquoi demain, samedi 10 octobre, nous devons tous être là, au stade au Faux-Boigny. Nous devons le faire parce que le pays en a besoin.